Salut, station fréquence, les bonnes soirées 13:51 à vous tous de la part de Dandy 33. Alors, on est le samedi 9 juillet 2016 et c'est reparti pour le QSO national du canal 27. Alors, comme à chaque fois, eh bien, une petite vidéo pour la première demi-heure et après, eh bien, on voit maintenant avec la propagation FM. C'est pas évident qu'il y ait du monde en fréquence. Alors, est-ce qu'il y a des stations en fréquence? Attention les stations fréquences pour le QSO national du canal 27. Ok Eric, les bains sont 13:51, diront que ça va être coton là pour le QSO ce soir. Là c'est pas gagné. D'autant plus que là je viens d'avoir un message de Dolu 33 et sur le forum, les pizzas viennent juste d'être livrées. Hachi. Okay. Par contre, 7-0, c'est plus propre. D'accord, ok, ben, je crois qu'on va y aller de suite. Et puis les stations qui voudront se joindre au QSO, ben, ils nous chercheront un petit peu, et puis ils nous auront directement, et puis voilà quoi. Ok, c'est parti, 2-7-0. Ok, 2-7-0, c'est parti. Ok, voilà. Ouais, t'as raison, parce que tout à l'heure j'avais regardé, et c'était pas trop le cas quoi. Ben une semaine de pro, tu vois, depuis le week-end dernier, il n'y a qu'aujourd'hui là que je rallume la station, là c'est tout. Hein. Ok, ok. Mais nous, il y a soir, j'ai passé à côté un petit peu. On a fait le bon petit QSO, assez tard en plus. Il y avait un petit peu de monde. Il y avait Michel qui était là, sur le contrôle. Il y avait Ludovic, il y avait aussi Daniel de. Ah ben c'est génial ça. Ben tant mieux alors. C'était sympa. Je crois que j'ai au moins... Ouais, moi je suis parti le premier vers 10h15 ou 10h15 ou là, ou un petit peu plus tard, je sais plus. Et je crois que ouais, c'était par là, voilà. Alors ok, donc avant que j'oublie, petit QSP, là du côté internet, alors il y a Guillaume, QRZ, Capitaine Haddock, là de Saint-Malo, qui nous envoie les 113-51 tous, ainsi que d'autres stations, comme par exemple Lisa Cana, je me souviens plus de son QTH, qui nous envoie tous, là, plus pas mal d'autres stations qui nous envoient les 113-51 via le suivi des vidéos sur YouTube. Voilà, ben comme ça ils pourront le suivre directement là sur la vidéo là sur que je suis là sur cette première demi-heure et ils sont très contents. Hachi. Ok, ok. Bon, on était un petit long, des fois qu'il y avait du monde nous derrière et en fait j'ai juste une petite parenthèse, c'est-à-dire ça arrive un petit commentaire humoristique. Ouais, j'ai rigolé quand j'ai vu ça. Surtout que j'étais surpris de voir cette publication. Je me suis dit, ah bon.
J'étais assez étonné en voyant ça. Ouais, j'en ai bien rigolé. T'as vu. Oh putain, désolé, j'ai débauché ce matin à 6h. Ah, c'est 14ODR016. Qui a rigolé aussi là. Il t'a répondu aussitôt après. Pour Claudie, il n'y a pas de souci. Ok, allez, je laisse un petit blanc. Ok, ouais, surtout que j'ai prévenu là sur le forum et sur Facebook hein, qu'on était là. Hein. Alors les stations qui seront en fréquence en avant. Ouais, ben je crois que ça va être assez calme. Hein. D'un côté, il y a pas mal de propag. Hein. Alors, attends que je regarde sur le web SDR, là, du département 30. Pas mal d'activités, là, sur les 40 canaux un peu partout, ça. Bon, ça, c'est dû à la propague. Mais la plupart des OM sont plus sur le 27555, hein, d'après ce que je vois, là, sur le web SDR. Hein. Mais le café, là, je suis dans mon bar comme d'habitude, et le café, il est à côté de moi, là. Ouais, non, mais c'est sûr, hein, bien souvent les OM, ouais, c'est ça, 9h30, 10h moins le quart, c'est. Ça arrive au compte-gouttes, là, après la première demi-heure en général. Hein. Il était là hier soir ? Ah zut, dommage que j'étais au pro parce que j'aurais pu lui faire passer le petit message comme quoi il y a Jean-Maurice de Mérignac, Jean-Mi, qui est justement sur le forum. Vendredi dernier, samedi j'étais pas là, j'étais au pro. Oui, j'en ai parlé, mais bon, il devait être coincé en famille, je pense, et ce qui fait du coup, j'ai pas pu lui dire. Et comme là, durant toute la semaine, j'ai pas eu le temps d'allumer la station. J'espérais l'avoir ce soir là pour lui dire. Bon Ludovic, ça y est, ta pizza est avalée. Bon alors, attention les stations en fréquence pour le QSO national du canal 27 en avant. Attends, qu'est-ce que je viens d'entendre? Oula! Attention les stations en fréquence pour le QSO national du canal 27. Non, je croyais que je m'entendais dans le web SDR. Mais si pourtant j'ai descendu à 3 points. Merde quand même, s'il faut que je descende encore un peu, on va plus m'entendre pour le coup. Ouais. Ouais, tu m'entends encore, là, c'est bon, là. Ah non, ça va, c'est clair. Et j'ai compris d'où est le problème, la fois. C'est venu de la propagation, parce que le lendemain, il y a d'autres personnes qui ont eu le même problème que moi, et ça faisait pareil, là. Et c'était impressionnant. Et ça l'a fait un petit peu encore, puis là, normalement, ça fait quelques jours, c'est bon. Ouais, voilà, exactement, ouais. Non, mais de toute façon, faut pas chercher à comprendre, hein. Tout à fait, bon, c'est impeccable. Bon, les stations, est-ce que quelqu'un écoute ?
Alors, fin août, début septembre, ouais, dans ces eaux-là. Pas avant. D'accord, d'accord. Mais ok, c'est toujours au même endroit. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Mardi, mercredi, je retourne là-bas à Mérignac. Jeudi 14, je suis à Bordeneur, là où tu sais. Après mon planning, je l'ai plus en tête. Ouais, 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 bah, paraît-il, ouais, c'est ce qui a été dit, ouais, c'est ce que j'ai entendu à la télé, ouais. Bon, et puis tu vas ta carte aussi prendre le euro, il fait beau, pas trop, enfin, ça dépend où je vais, à Bordeneur, oui, oui, je prends la moto, Mérignac, ouais, par rapport aux horaires, hein. Mérignac, non, là, j'y vais en push, ce qui fait que ça me permet aussi bien à l'aller comme au retour d'être en QSO. Parce que bon, sur le 19, hein, c'est quand même assez actif, hein, malgré tout, le matin et puis le soir aussi. Puisque le qui c'est que j'ai eu là le soir? Ah zut, sur le 19. Ah j'ai zappé, et zut, et tant pis. Pratiquement à chaque fois j'ai du monde en fréquence, hein, en débouchant à 17h là sur le 19. Mais là, je vois les QSO que je fais là, c'est les QSO locaux, hein, des stations mobiles. Hein. Ouais, ouais. Bon, tiens, des nouvelles de Chameau. Pas du tout, pas plus que toi, Hachi. Non, parce que t'aurais pu l'entendre, si moi de mon côté, ça passe pas jusque là. Non, non, hélas, c'est vrai que là, je vois depuis qu'il a déménagé, là, qu'il s'est éloigné. Enfin, depuis la dernière fois qu'on l'a eu en QSO, de toute façon, moi, je ne l'entends pas plus que toi, quoi. C'est dommage, mais bon. Il doit être un peu trop débordé, on va dire ça comme ça, Hachi. Son YL doit un peu trop l'accaparer. C'est ce que je sous-entendais par là. Je suis trois coups. Il est peut-être en train de nous faire des triplés encore. Oh putain, c'est possible encore ça. Chameau, si tu nous entends, vas-y, pousse la porte. Ah, ça marche pas beaucoup, hein. Le Yazu, tu parles? Ouais, je vais m'acheter le dernier, là. Enfin, le même, le 450, mais le D, là, la nouvelle version. Là. Ah, ouais, les petits boutons, je crois qu'ils sont un petit peu plus gros, avec une espèce de dorure, ou je sais plus, là, autour des boutons, c'est ça? Ouais, c'est le même, hein, mais il a la boîte de couplage, enfin, parce que toi, c'est lequel que tu as? C'est le D ou c'est lequel? Alors moi, c'est le AT que j'ai, avec boîte d'accord incorporée. Ah oui, comment c'est la version, c'est le D là, ceux qui sont sur le site Radio 33 là, voilà. Je vais prendre ce modèle là, et voilà, quoi. Donc je trouve pas mal, et puis je crois qu'il y avait une modification, si l'histoire de DST, je sais pas, je pourrais pas l'expliquer, je sais pas si calé là. Ok, Thomas, si tu nous entends, les 213-51, toi, voilà, il me demande là sur Facebook, là sur où c'est qu'on a fait QSY. Ça y est, c'est dit, heureusement que je le marque sur le groupe, hein, je suis trois coups.
Moi, c'est l'EAT que j'ai, hein. C'est pas marqué sur le poste, parce que sur le poste, c'est marqué FT450, c'est tout. Mais j'ai pris avec l'option boîte d'accord incorporée, qui me donne le modèle AT, quoi. Ah ouais, mais là, c'est le modèle ED, mais la version 2, c'est qu'ils ont, hein, c'est une histoire de DSP, de modification qu'il y a eu dans le DSP, je pourrais pas t'en expliquer, parce que là, je ne sais pas du tout, ils ont des bêtises. Ah ouais, en tout cas, il est vraiment bien, hein, parce que en plus, t'as des étages de mémoire. Donc par rapport à la CB, tu peux te mettre les différentes bandes de CB. C'est ce que j'ai fait, hein. J'ai mis oh putain, je bafouille. Tu as plusieurs étages de 50 mémoires chacune. Alors tu les remplis comme tu veux, tu utilises l'étage que tu veux, c'est toi qui décides. Donc ce qui fait que moi, ce que j'ai fait, eh ben, je me suis rentré les 40 canaux inférieurs, 40 canaux normaux, 40 canaux supérieurs et uniquement 11 canaux en 2x sup. Voilà, ce qui fait que eh ben, je navigue là comme je veux, comme si j'avais le 6009 dans les mains, quoi, en fin de compte. Puisque j'ai, pour le coup, avec les mémoires, ça me permet d'avoir le double affichage fréquence canaux. Sauf là, par exemple, puisque là, vu que c'est mis en mémoire, là, je suis... comment dire, oui, quand j'enregistre dans les mémoires, j'enregistre le mode de fonctionnement avec... Voilà, donc suivant où je suis, eh bien, il va basculer automatiquement dans tel ou tel mode, suivant la mise en mémoire que j'ai fait, quoi. Voilà, j'y suis arrivé. Ouais, ouais, pas de souci. Ok, oui. Bon, on va laisser un petit blanc à l'escalier derrière. Ouais, bonjour, personne. Après, je crois que par rapport au AT ou avec le D là, je ne sais pas s'il n'y a pas une histoire de boîte de couplage qui c'est pas la même, je crois, ou un truc comme ça. Ah, peut-être que c'est une version plus évoluée, hein, que qu'il y a là sur celui que tu vas avoir, c'est possible, hein. Je sais que moi, celle que j'ai là, elle fait au choix soit uniquement émission ou alors émission-réception. Ou déconnecter carrément, évidemment. Ouais, 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 mais je l'ai vu, il y a Thierry qui en a un, j'ai déjà pu le voir. Je connaissais, il y avait Robert aussi qui en possédait un, mais pas la même version. Et puis je me suis téléchargé la brochure. En français là, et puis c'est vrai que je l'ai épluché. Rapport qualité-prix, c'est un poste que je trouve qui est très très correct. Ouais, c'est bien ça, 900 et quelques euros. De quoi? Excusez-moi, j'ai mon fils qui me disait bonsoir. Ouais, moi je l'ai payé dans les 900 et quelques. Ah, il est vachement moins cher que ça, il a vachement baissé. Avec la mise en couverture générale, il fait 680. Ah oui, quand même. Ça doit bien faire 8 ans que je l'ai. Quelque chose comme ça, quoi. Si ça fait pas 8 ans, ça n'est pas loin. Ouais, ouais, mais là, je te dis, il fait exactement 660 et il demande 20 euros pour enlever un tout petit composant pour pouvoir le passer en couverture générale, donc faut compter 680 euros TTC. Voilà, mais moi ça a vachement baissé, ouais. Ah la vache, oui, quand même, oui. Putain, j'aurais presque envie d'en changer, quoi. Non, je déconne. Ah, j'en suis content. J'ai pas de problème avec. Non, il marche bien. Hein. C'est vrai qu'il est, il est facile d'utilisation. Par contre, attention, il y a des fonctions cachées. Il y a pas mal de trucs. Mais dans une utilisation normale, on va dire, les fonctions cachées, à la limite, on n'en a même pas besoin, quoi. Ben c'est quand tu vas dans les menus, voilà, c'est ce que je veux dire. Alors tu as le...
Tu as la fonction, la touche F, un coulon dessus, tu vas directement dans les menus. Et quand tu actives un truc dans ce menu, tu obtiens encore plus de paramètres. Ouais, tu parles pas des sauvegardes. Oui, qui sont accessibles à condition d'activer une autre fonction. Ok, ouais. Non, oui, de toute façon, après c'est surtout les trucs de base, qu'une fois que tu as fait les réglages, et puis voilà, non, mais en plus il n'a pas l'air trop compliqué, ça fait, ça va. Non, pas du tout, hein. Non, il est très simple. Le seul truc, on va dire, qui va être un petit peu chiant, c'est de ne pas avoir le réglage de la puissance en façade. Voilà, c'est le seul détail. Ouais, mais bon, tu l'as dans le menu, et puis après, t'es tranquille. De toute façon, une fois que tu l'as réglé, tu touches plus, et puis t'es tranquille. Hein. Oui, voilà, tout simplement, là, c'est ça. Hein. Là, d'ailleurs, attends, je suis comment... Excuse pour les oreilles. Ok, non, c'est bon. Là, je suis réglé assez bas. Hein. Là, je suis... en plus, ce qui est bien, c'est que la puissance, tu peux la régler watt par watt. C'est carrément ça. Hein. Si certains, ça va passer de 5 en 5 ou de 10 en 10, ou carrément 3 ou 4 niveaux, là, tu règles vraiment au watt près, quoi. Tu touches plus, c'est bon. Hein. Ouais, voilà, c'est exactement ça, quoi. Voilà. Bon, y a personne encore. Est-ce que t'as des nouvelles de Pascal? Rien. Alors là, c'est le grand désert. Et pas plus de nouvelles de lui aussi sans que de son activité sur internet. Je sais pas ce qu'il fait, je le vois plus du tout publier quoi que ce soit sur son forum, comme je le vois plus publier quoi que ce soit non plus sur Facebook. Pascal pourtant, Pascal il est toujours sur le forum, je le vois de temps en temps. Ouais, il envoie un petit bonjour sur le chat, puis après il disparaît. Je sais pas ce qui magouille. Je sais pas ce qu'il fait en sous-marin de son côté. J'entends par là, est-ce que dans le sous-marin il y aurait pas une YL de cachée par là? Je sais pas. Ouais, ok. Bon alors, attention les stations fréquences pour le QSO national du canal 27 du Sud-Ouest. Est-ce que d'autres personnes veulent rentrer dans le QSO? Ah, je m'attendais à ce que ce soit calme. Hein. Voilà, les gens partent en vacances ce week-end. Hein. Dolu, t'es où? Ouais, je sais pas si c'était la pizza ce soir ou autre chose. Alors, attends, je suis en train de remonter. Ah ben, 20h59, ah ben, voilà le livreur de pizza. Je vais avoir un peu de retard encore une fois. Ah ben oui, alors la pizza livrée à 21h, bon tu vois ce que ça donne. Je le chambre, c'est pas le chat, Ludo. En tout cas, là, sur le FT450, tu trouveras sur YouTube quelques vidéos assez intéressantes hein, au niveau paramètres. Par contre, les paramètres usine, vaut mieux pas éviter, hein, parce que là, c'est des Chinois là-dedans. Ouais, excuse-moi, j'ai parlé tant que toi. Je disais, il y en a un
sais pas où il est, j'ai pas été voir, mais alors, il vous cache dur, le monsieur, là. Ah oui? J'entends un bourrabat derrière, c'est tout ce que j'ai. Hein. Ah, tu t'entends, dis pas cela, je m'en blessé, mais ça fait. Je te dis pas. Ah oui, 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 j'ai la même chose, hein. Puis je l'entends sur le web SDR, là-bas, sur le département 30. Je l'entends de tous les côtés. Ouais, ouais, je reprends mardi, mercredi sur Mérignac, jeudi Bordonneur, et les trois jours ben, en journée. Oh, ok, ok. C'est là pour avoir le match le soir, là, tranquille. Ah, berk, caca. Ah, je suis allergique à ça. Ça y est, ça commence à me gratter de partout. Hachi. Ah, moi, ouais, je suis pas football, mais. Des matchs comme ça, le final de Coupe d'Europe ou finale de Coupe du Monde, les matchs importants, je regarde quand même, quoi. Après, le reste du temps, je m'en fous, quoi. À part les matchs de Coupe ou des trucs comme ça. Ah, je vais le dire en déconnant, hein. T'es en train de me pourrir, là, les 2-3 minutes de vidéo qui me restent. Ah, chie. Attends, j'entends du monde derrière. Oh putain, oui. Ouais, la station, les bandes sur 1351, toi, de la part du QSO du canal 27, là, du sud-ouest. Oui, la station, là-bas, bonsoir. Voilà, je sais pas, s'il y a la chambre d'écho, quelque chose comme ça, là, ça, il crasse pas, là, yo. Baisse ou enlève la chambre d'écho, la station, on comprend, c'est une grosse cacophonie. Ouais, ouais, non, mais pour peu qu'il soit qu'un 6009, ça a été de pas loin, quoi. Ouais, l'écho était beaucoup trop, l'écho était aussi fort que la modulation, ce qui fait qu'on n'a rien compris, quoi. Bon, attention, les stations fréquences pour le QSO national du canal 27, en avant. Ah, Michel, les bonnes sont 1351, toi, tu as vite fait, tu as Jean-Maurice, Jean-Mi de Mérignac, qui est sur mon forum. Voilà, si tu as envie de lui dire un petit bonjour, voilà, il s'est inscrit dessus.